Finale, j'ai décidé de lui ajouter des lunettes ensorcelées pour l'aider dans ses opérations. Au départ, je voulais montrer son affinité pour la magie d'illusion en le faisant se créer un double, mais je me suis dit que ça prendrait trop de temps et de place, donc ça part à la poubelle. Et je sais que ça se voit pas trop avec ses mèches ou le point de vue, mais dans ma réécriture, les autres mondiens et autres mondiennes ont les oreilles pointues un peu à la manoir de la chouette. Oui, moi aussi, je refuse d'utiliser le titre VF officiel. En fait, j'ai remarqué que tu leur avais donné des uniformes. Mais techniquement, le monde de Tara Duncan n'a pas d'école de magie à la Poudlard. Alors non, il n'y a pas d'école de magie, mais les enfants apprennent soit avec leurs parents, soit sous la tutelle des maîtres dans les châteaux d'autres mondes. Et comme on passe beaucoup de temps au Lankovit au début du cycle, j'ai décidé de tous te les mettre aux couleurs du royaume. Quel restera donc le bon copain à la Ron Weasley, qui aime manger et faire des blagues tout en étant légèrement kleptomane sur les bords? Il sera le premier ami outre-mondien que se feront Fabrice et Tara en arrivant sur place et devra faire face à la réalité des voleuses patentées qui ne correspondra pas nécessairement à ses propres principes. Messages.